Chi alba fu, chi alba era, una nazione, una guerra, chi fu stu maio, verano nero, a sanguinicia sotto bandera. E salut à tous et à toutes, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un retour de marché, un peu pas comme les autres, parce qu'il nous a coûté pas très cher, et on a beaucoup, beaucoup de fruits et légumes. Je vous laisse regarder tout ça dans la vidéo, et j'espère que ça vous plaira. En attendant, avant, prenez un petit café, des pop-corn, et puis on est parti. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche de notification pour être aucune vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, ben voilà, abonnez-vous comme je vous ai dit, et puis surtout likez, commentez, ça fera plaisir, puis ça fait connaître la chaîne, c'est parfait tout ça. Donc allez, c'est parti, maintenant. Pense à dire que je suis toujours pas sur la vidéo parce que... Quoi ? Pense à dire que je suis toujours pas sur la vidéo parce que... Oui. Précédent, précédent. Et voilà, alors on se retrouve pour des nouvelles petites trouvailles. Bon, c'est toujours les mêmes. Mais on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vous rappelle, comme ma femme n'est pas très bien en ce moment, elle est derrière la caméra, tranquille, à se reposer, je sais pas. Et voilà, ben, on attend l'arrivée du petit Bibou, mais comme c'est Bibou qui décide quand est-ce qu'il sort ou pas, ben voilà, on peut pas prévoir. Mais on attend. Voilà. Donc, pour ceux qui posent la question, je le dis déjà en première ligne de vidéo, comme ça au moins vous êtes sûr de rater. De pas rater, pardon, excusez-moi, la petite nouvelle. Donc, alors, on commence par les courgettes. Nous en avons pris pas mal. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors là, c'est 3, 4 belles courgettes. On a complété un petit peu le stock qui manquait parce qu'il nous reste 2 courgettes. Et pour ce qu'on veut faire, c'est pas suffisant. C'est jamais suffisant. De toute façon, les légumes, les fruits, c'est tellement bon que... Ben voilà, quoi. Alors, nous continuons, par les carottes. Nous avons pris une belle flopée. Voilà, on va inviter Bugs Bunny à la fête. Voilà, lui, il sera content. Moi, peut-être un peu moins, parce que j'aime pas trop les carottes de mon côté. Donc, inutile de vous dire combien de carottes j'en ai pris, mais en tout cas, pas mal. Ah, celle-là, elle m'a un peu escroquée quand même, hein, t'as vu? Voilà, et voilà, Bugs Bunny est passé par là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ma prof de maths va être contente, je sais compter. Il y a 16 carottes. Et pas des petites, hein, des belles carottes quand même. Hein. Voilà, on peut les prendre en main. On peut même s'en servir comme pieu pour tuer les vampires. Et elles sont pareilles. C'est bon. On est bon. Pour l'apocalypse. Pareil. Des bananes. Alors, ma chérie les a trouvées un petit peu vertes quand même. Hein. J'ai fait exprès parce qu'elles mûrissent très vite. Voilà, elles mûrissent très vite. Mais elles sont quand même bonnes. Même si, petite astuce d'ailleurs, quand elles sont noires, ne les jetez pas. Elles sont très très bonnes. Ça veut dire qu'elles sont mûres. Et vous pouvez les manger soit comme ça, ce qui change un peu la texture, mais vous pouvez éventuellement faire un gâteau ou même... Un pancake. Voilà, ça, c'est bon, ça. Le pancake hawaïen. Voilà, donc en fait, il n'y a pas besoin de farine. Vous mettez juste de la banane avec un œuf et basta. Deux ingrédients suffisent, vous voyez. Nous avons pris 2 aubergines. Elles sont belles, hein. Elles sont belles. Je les préfère vraiment sur le marché parce que en magasin, elles sont vraiment cheloues. Elles sont gonflées, c'est des aubergines. Au magasin, c'est des légumes parfaits, tu sais, qui sont gonflés. Qui... Exactement, exactement. Ouais, mais trop parfait, c'est pas bon. Donc là, elles sont un peu biscornues, un peu moches, ben, c'est parfait. C'est ce qu'il me faut, c'est exactement ce que je voulais. Alors, on continue sur une note de navet. Ah, voilà, 3 petits navets, ils sont bien blancs. Je pense qu'à mon avis, ils sont bien mûrs, enfin, ils sont pas encore assez mûrs, mais
Ils sont bons. J'aime bien quand ils sont blancs comme ça, c'est bien. Donc, des petits navets x3. On continue avec les pommes de terre. Là, il y en a. Je crois qu'il y en a, oui, il en reste dans le. J'ai fait exprès d'en prendre un peu plus parce qu'il va y avoir 3 ou 4 plats avec des pommes de terre. Elles sont belles, les pommes de terre. Bien sûr qu'elles sont belles, les pommes de terre. Elles sont aussi belles que toi. Depuis ce matin, je m'amuse à la titiller un peu. Alors, mais voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pommes de terre. Voilà, elles sont belles. Elles sont très très belles. Elles sentent la terre, de la pomme de terre. J'adore la pomme de terre. Elles sont bonnes, puis elles cuisent bien. Ça sent pas une pomme de terre. Non, j'ai dit elles sont bonnes, puis elles cuisent bien. Ah, bien sûr. Alors, mais je sais plus ce que c'est comme variété de pommes de terre. Je crois que c'est les agates. Ouais, c'est ça, c'est les agates. Et je trouve que c'est bien pour faire un peu tous les plats. Sauf les frites. Les frites, il faut utiliser les jbines. C'est les vieilles pommes de terre. Je crois qu'ils en ont. Hein. Les jbines, non, ils en avaient pas aujourd'hui. Mais si vous voulez utiliser pour faire des frites maison, utilisez les jbines. Parce qu'elles sont jbinaires. On dirait que j'ai mangé un clown aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va continuer sur... Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai les fesses trempées? Pourquoi? Un oignon, juste un, hein. Pas deux ni trois, juste un oignon. Alors là nous avons, la reprise des mandarines. La coquine, elle a repris des mandarines qui veulent s'échapper, elles veulent pas être mangées. Donc voilà, des belles mandarines comme ceci. Alors c'est Jaffa hein, qui fait ça. On les a trouvées au marché, mais je pense qu'au marché ils utilisent aussi des fruits et légumes de la réserve, à mon avis. Je sais pas, c'est bizarre. Non, là, c'est écrit qu'elle est du Maroc. Ah, ben voilà, du Maroc, il y en a 6. Mais elles sont super bonnes, elles sont super. Bien sûr qu'elles sont bonnes. Ah, mais ça, c'est des pommes. Alors là, on a pris des galaxies x 5. 6. Ah. Elle a pris 6 galaxies, madame. Alors attention. Et franchement, elles sont super, super appétissantes. La dernière fois, moi qui n'aime pas les pommes nature comme ça, manger, je trouve ça dégueulasse. Eh ben, je les ai trouvées super. Elles se barrent. Hein. Je vous ai dit, les Marocaines, elles se barrent. Ah, donc, elles ont froid ici. Donc voilà, en fait, voilà, elles sont super bonnes, elles sont super sucrées, goûteuses et juteuses aussi. Enfin voilà, donc 6 galaxies. J'ai l'impression qu'on va rejoindre les étoiles avec ça. Ben oui, les galaxies. Ouais, bon, j'ai bouffé un clown, mais je crois qu'il était un peu périné quand même. Hein. Alors, ben écoutez, pour ce retour de marché, c'est terminé. Néanmoins, n'hésitez pas à aller regarder la future vidéo qui sortira demain, la vidéo du retour de course, parce que nous avons refait les courses, et je vous la présenterai du coup demain. Voilà, chaque chose en son temps. J'adore ça. Alors, je vais vous faire une petite dégustation, comme ceci. Mais non, c'est pour la goûter. Oh, mais oui, mais je goûte. J'ai pas mangé ce matin, moi. Non, j'ai pas mangé. J'ai pas mangé. Alors aujourd'hui, je sais pas, ça devait être un petit peu l'équivalent de la pleine lune. Madame n'a pas du tout dormi. Elle a décidé de me réveiller en pleine nuit. Donc, je t'aime quand même. Je t'ai dit de me réveiller si j'avais des insomnies. Non, je t'ai pas dit de me réveiller si t'avais des insomnies. Je t'ai dit de me réveiller si jamais t'as couché. Mais voilà, tu n'as pas encore accouché. Donc, du coup, on a fait une quasi-nuit blanche. Et ce matin, du coup, j'étais totalement perturbé parce que je me suis pris un petit lait au chocolat dans la nuit. Oh, vous avez peut-être vu une main passer là.
petite main. Ouais. Vous laissez un peu mûrir. Ouais. Elles sont vraiment acides celles-là, oh là là. Vous laissez un peu mûrir. D'habitude elles sont plus douces. Une petite dégustation quoi. Bon enfin je vais pas vous déguster une carotte. Bien que ça se mange cru. Hein. Alors. Pour ce petit marché, nous en avons eu du coup pour 27 euros et elle nous a facturé 75 centimes de plus, mais elle nous a rendu la monnaie. Voilà, ben, elle a fait une erreur de caisse. C'est pas grave. Donc du coup, 27 euros pour... Alors en tout, il y a 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Il y a 11 kilos de fruits et légumes. On a atteint un record quand même. Hein. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis surtout, si vous avez aimé, likez, commentez, partagez même. Et puis n'hésitez pas à vous abonner parce que je vois les compteurs. Il y a beaucoup d'abonnés, mais il n'y a pas beaucoup de. Il y a beaucoup de non-abonnés qui regardent les vidéos. Donc s'il vous plaît, soyez sympa. Hein. Faites-nous un petit peu plaisir. Les non-abonnés, abonnez-vous. Allez, bisous les loulous.